Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est sur Hightech et ça va être pour installer une application, enfin installer des applications, toutes celles qui sont payantes mais gratuites. Pour cela vous allez aller dans Safari, voilà, vous allez mettre VCHARE, comme ça, VCHARE, vous cherchez. Et vous mettez le premier truc, www.vcher.com. Vous attendez que ça charge. Voilà. Alors, là, on ne va pas faire en jailbreaké. Donc, on va faire download là. Unjailbreaké. Donc, moi, comme j'ai déjà fait, bah, vous ne le faites pas, mais moi, je tape. Voilà. Vous avez marqué installer ici en haut. Et quand ils vont vous demander le code, voilà, vous allez le mettre et ça va s'installer. Une fois que c'est ça, vous allez le prendre, VCHARE Store par exemple, voilà. Donc normalement ça se met dessus, voilà. On va mettre une application payante. J'en ai déjà installé un, hein, mais pour vous montrer que c'est pas du faux, je vais le mettre maintenant devant vous. Donc qu'est-ce que je peux mettre? Peut-être qu'il y en a qui aiment... Après, il y a des trucs qui sont... Comment ça s'appelle? Qui sont... Des fois, ils vous disent que c'est pas possible de le télécharger. Donc déjà, on va mettre classement. On va chercher un pays, on importe. Ok, Radiation Island, par exemple. VCHARE. Voilà. Attention, parce qu'il joue vraiment avec les mots, donc faut vraiment mettre à la lettre près. Radiation Island. Voilà, vous mettez retour, hein, il n'y a pas marqué charge. Voilà, il est là. Vous cliquez dessus. Vous mettez install. Il va vous mettre un petit mot, voilà, en disant souhaiterez installer Radiation Island. Vous mettez installer. Quand vous allez au menu, voilà, il y a marqué attente. Voilà, donc là, par exemple, ils me disent que je peux pas. Donc, je mets OK et je vais le supprimer. Donc vraiment, tout dépend de l'application. Là, par exemple, j'ai installé Minecraft, TrueSkate, Surgeon Sim, et ça, Frestle Jump. Et ça marche, franchement, c'est comme si c'était du light. Donc là, je vais en chercher encore une autre application. N'hésitez pas à me mettre des jeux que vous voudriez que je teste, comme ça, dans la description. Voilà. Donc, on va mettre, par exemple, Akinator. Voilà, TrueSkate, il est là et il n'est pas payant. Donc, Akinator. Alors, là, je sais pas pourquoi ça bug. Enfin, ça met longtemps à se connecter. Donc, on a dit qu'on mettait Akinator. Voilà. Ensuite, vous cherchez. Voilà. Il y a les deux. Ça, c'est le gratuit, là. Qui est là. Le premier, c'est le payant. Vous mettez ça. J'espère que ça va marcher. C'est les photos. Install. Alors attention, parce que des fois, si vous allez appuyer deux fois comme ça, il va vous mettre annuler ou installer et il peut vous l'installer deux fois. Donc voilà, juste faites attention. Là, on va attendre que ça charge. Pendant ce temps-là, je peux vous faire une petite intro. Donc voilà. TrueSkate, j'ai installé tout à l'heure justement sur VCHARE. Voilà, il me le met maintenant. Et bah maintenant on met annulé parce que sinon il vous l'installe deux fois. Donc voilà. Moi personnellement j'adore ce jeu. Au début on a un peu de mal mais il faut balayer vers... Enfin moi j'ai du mal à trouver parce que j'ai passé les intros, en fait c'est tout le temps relou. Donc voilà. Et pour balayer, enfin pour avancer... Il faut balayer l'écran vers le bas, comme si avec vous étiez un skater et qu'avec votre pied, bah vous avanciez, quoi. Voilà,
On peut faire des figures, mais il faut aller plus vite par contre. Donc là, on va se mettre là. Par exemple, on va faire. Allez, on va faire une. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle parce que je suis pas skater de haut niveau, on va dire. Je suis pas accro au skate. Voilà, pour aller plus vite, vous pouvez le faire des deux côtés. Il y a des trucs qui vous rapportent des points, c'est en faisant ça, en sautant et en tournant, comme ça. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. On va voir si ça s'est installé. Et ben non. Donc on retourne. Des fois, quand vous allez quitter, le jeu, il va. Voilà, il va reprendre. Il va mettre un peu de temps. Si ça bug, ne vous inquiétez pas. Vous avez juste à attendre. Sinon, j'espère que ce site vous plaira. En tout cas, moi, je l'ai installé hier et personnellement, il est très bien. Parce que, enfin, déjà, j'ai pas beaucoup d'applications à payer. Parce que je n'aime pas trop les jeux payants. Des fois, ça. Voilà quoi. Et là, franchement, c'est sympa. Voilà. Voilà. Vous pouvez vous aider en faisant comme ça deux fois. Des deux côtés. Voilà. C'est assez réaliste, je trouve. C'est sympa à jouer. Au début, vous allez vraiment galérer à faire les trucs. Peut-être que je vous ferai une petite intro, enfin une intro, un petit let's play sur ça. Je sais pas, faut que je vois si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bien sûr, que vous, si vous voulez, si vous voulez pas, et si vous avez des jeux à me proposer que j'ai pas encore fait. Parce que voilà, vous êtes un peu mon inspiration, donc voilà. Voilà, Akinator il s'est installé. Normalement, on va vous dire. Alors là, on a eu de la chance. Parce que des fois, ils vous disent. Voilà. Non. Ils vous disent. Il n'a pas été identifié, le créateur de ce jeu. Donc, vous allez dans Réglages. Et vous allez dans. Attendez, désolé. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Je vais vous faire une vidéo sur comment installer des comment ça s'appelle des vidéos avec, enfin des musiques avec des vidéos aussi et gratuitement, c'est une petite application. Donc voilà. Là vous êtes dans réglages, vous allez dans général. Il y aura tout ça. Vous descendez et vous chercherez profil et périphérique. Et là, vous voyez qu'il y a tous les jeux où il y a des trucs. Par exemple, là, c'était le jeu de chirurgie.